Alors, ils vont pas déchettes. Ils vont pas déchettes. Sur la place de la mairie, des producteurs locaux ont pris place. La commune d'Arigny a organisé sa deuxième édition des mercredis de l'été, un marché regroupant toutes sortes d'artisans du territoire. Entre le miel et la rôtisserie, les choix sont au rendez-vous. On a surtout le pâté lorrain, c'est un peu notre spécialité, pâté lorrain. On fait des tricornes de chèvre. À l'intérieur, on a pommes de terre, crème fraîche, chèvre. Tartiflette aussi, on fait feuilleté tartiflette, donc il y a pomme de terre, crème fraîche, lardons, reblochons. Là pour l'été, on a fait des salades, ça c'est nouveau de cette année, on a des taboulés, des strasbourgeoises. Enfin voilà, après niveau rôtisserie, on a les poulets rôtis, le jambonneau, le jarret, les cuisses de poulet. Enfin voilà, c'est un peu diversifié, et puis voilà, spécialement on a le coin planchard un peu frites. Et puis les viandes, voilà quoi. Pour manger sur place, c'est pas mal. C'est très attractif. Les touristes peuvent venir et découvrir des produits locaux, ce qui peut apporter déjà une connaissance sur les produits locaux et une belle balade. Lors de ce marché, des dons ont été récoltés et vont être reversés pour la reconstruction de l'église de Dronay, détruite par un incendie en juillet dernier. Donc il reste façon pâte à tartiner comme ça parce qu'il a été brassé à froid.